Bonsoir à toutes et à tous. Ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte. Tout est prêt. Ne manque plus maintenant que le coup d'envoi. Et ça sera enfin parti. Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca, c'est donc avec la team Dada dans les oreilles que vous allez passer les prochaines minutes face au foot anglais et à ce match de première ligue. Bournemouth contre Swansea. Je suis très heureux de partager ce match avec vous. Parce que c'est ça le foot. C'est la joie du partage. Le point fort, on le connaît, c'est le pressing. C'est simple, si vous voulez voir comment va une équipe, regardez-la presser. Donc, pour cette équipe, tout va bien. Elle va bien, elle défend bien, elle attaque bien, c'est un véritable spectacle. Un œil sur la composition de cette formation. 4-5-1 conventionnel. Conventionnel, mais toujours très efficace si tu veux être infranchissable au milieu. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Et voilà, un ballon bien intercepté. Ah, le ballon change de propriétaire. Ah, il s'est donné en profondeur. Et ça part fort avec ce but d'entrée de jeu. C'est prometteur pour ce match. Et les voilà tout de suite dans le rythme de la rencontre. On revoit le but. Plutôt le missile qui vient d'être envoyé dans les filets adverses. Et ce qui attire l'attention, c'est le bruit du ballon qui tape dans le filet. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Ouais, c'est propre, sans faute. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Bonne intervention du gardien. Cornea. Le ballon change de camp. C'est contré sans problème. Ah non, position de hors-jeu sifflée. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Et bien vu, la passe en profondeur.
Eh oui, le ballon dans leurs pieds. Alors il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer, il laisse l'avantage. Face à face avec le gardien. Et c'est le but! Le deuxième aujourd'hui, avec calme, avec lucidité. Très belle performance individuelle. La preuve avec ce doublé. Et voilà, le 1-2, ça sert à faire une fausse piste pour prendre l'adversaire direct à contre-pied. C'est ce qui ouvre la brèche sur cette action. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre... le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Ah, il y a sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque. Ah, vers la surface, le centre part bien, c'est bien joué. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Ah, et l'équipe peut jouer le contre. Et malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. Il y a la place pour une frappe. Oh, la bonne parade. Arrêt de jeu. Et donc l'entraîneur effectue un changement. Un corner qui est bien ajusté. Et oui, c'est dedans. Voilà le but du hat-trick. C'est fait. Formidable performance. Et quel moment inoubliable. On montre le corner très bien tiré. Il y a beaucoup de monde à la tombée du ballon. Et pour finir, la conclusion de la tête du début à la fin, c'est une action magnifique. Et avec ce but inscrit, ça fait 3 buts à rien au tableau d'affichage. La possession change de côté. Ouais, le jeu sur les ailes pour progresser, c'est intéressant. La belle reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Ouais, le pressing pour empêcher la relance. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Bon ballon en profondeur. Oui, bien défendu. Et pénalty. Péno, parce qu'il y a cette faute dans la surface. Et c'est dedans, le pénalty est transformé en toute décontraction. Autant de buts en aussi peu de temps, c'est vraiment impressionnant. L'adversaire doit être déjà perdu dans sa tête. Avec Varela. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Dans les gants, sans souci. Et l'équipe adverse récupère le ballon sans effort. Avec Varela. Superbe intervention dans la surface.
Quel bon ballon! Excellent tacle pour la récupération du ballon. L'arbitre siffle à la mi-temps. Et donc pour l'équipe qui reçoit, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'elle est menée en ce moment. La pire attaque et s'enfonce un peu plus dans son... Le match reprend et nous espérons que la deuxième mi-temps soit plus équilibrée que la première. Et peut-être un bon contre à négocier là. Ah, c'est bien vu, cette passe par-dessus. Un ballon bien reçu dans la course. Tout est allé très vite dans cette contre-attaque. Mais est-ce que c'est pas allé justement un peu trop vite? La carence dans le dernier geste. Attention de ne pas confondre vitesse et précipitation. Le ballon change de camp. Alors, au menu des matchs à venir, nous aurons donc rendez-vous. Et oui, ça c'est de l'action! Et le poteau remet le ballon en jeu. Oh là 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 là! Et encore un but! On n'arrive même plus à les compter! Ça s'arrête plus! Ça tourne à l'humiliation cette histoire! Le réalisateur nous montre le but à nouveau et j'ai envie d'insister sur le rôle de l'anticipation et du placement. L'action est très bien mise. Un match très facile, le score est maintenant de 5 buts à 0. Brian Heinen. Et voilà un ballon qui est intercepté. Et une occasion de contre à négocier. Ah, la défense un peu lente pour redescendre. Ah, le contre ne donne rien, le ballon est perdu. L'action se poursuit et duel remporté dans la surface. Brian Heinen. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Le centre dans la boîte. Et le but, mais l'arbitre ne va pas le valider pour un hors-jeu apparemment. Moi je n'ai pas vu grand-chose, mais l'arbitre a toujours raison, comme vous d'ailleurs. Brian Heinen. Oui, voilà, c'est une bonne percée. La frappe était enveloppée, mais elle est largement manquée. D'ailleurs, je me demande si c'est un problème d'appui ou de positionnement du corps. Quoi qu'il en soit, c'est passé loin du cadre adverse. Oui, la bonne intervention, touche. Alors, il y aura un match de Première Ligue au programme et à suivre très bientôt. Swansea affrontera Everton. On va voir du bon football, c'est excitant. Je l'ai noté déjà dans mon petit carnet. Petit ballon par-dessus, c'est bien donné. Ah, l'arbitre qui lève son drapeau pour signaler cette position de hors-jeu au départ de l'action. Cette passe aurait pu faire mal.
C'est surtout un problème des synchronisations. Il aurait fallu attendre un tout petit peu plus pour lancer l'appel. Ah, malheureusement, la possession est perdue. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Interception réussie, ballon récupéré. Heinen. Oui, le bon geste défensif. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. La frappe de loin. Et c'est un arrêt facile pour Neto. Ouais, bien joué, le duel est remporté. Et c'est bien donné dans la profondeur. Et la bonne intervention pour couper net cette offensive. Et l'arbitre indique le corner. Un corner qui est bien ajusté. Ouh, le dégagement raté. Et du coup, l'action n'est pas finie. Et non, ça s'arrête là. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Allez, il faut revenir en défense sur ce contre. Allez, c'est le choix de la verticalité sur ce contre, mais ça se termine par un ballon perdu. On sent un certain énervement dans les tribunes du stade. En même temps, ce n'est pas très surprenant vu la prestation assez indigne proposée par leur équipe. Et le ballon est dégagé. Avec Varela. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Ah, il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Allez, c'était assez prometteur, mais la contre-attaque ne va pas au bout. Ouais, bien joué, ça circule bien. Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation! Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur. C'est terminé, l'arbitre diffuse la fin de cette...